remercie pour cette préoccupation qui, en réalité, intègre de manière globale le climat des affaires dans notre pays. Et vous savez bien que c'est un objectif important qui conditionne même la situation de notre économie nationale. Disons que des initiatives sont prises, des réformes sont engagées et mises en œuvre. Et la plus importante, on commencerait même par là, c'est celle que l'OADA est en train d'entreprendre actuellement, celle qui chapeaute un peu le cadre de tous les États de la région et qui s'annonce sous le fond d'une justice parallèle. C'est donc les dispositions de l'OADA qui introduisent dans chaque État, dans le cadre juridique donc de chaque État, des dispositions qui mettent en place des centres de médiation et d'arbitrage. Cette justice qui, elle est tenue non pas par la justice d'État, mais par la simple volonté des entrepreneurs et qui engage donc les opérateurs économiques, nos différents acteurs donc du secteur privé, lorsqu'ils ont des différends, ils peuvent les régler en dehors du cadre de la justice, par la médiation, par l'arbitrage, c'est-à-dire dans un cadre qui est tenu par eux-mêmes, par des personnes que eux-mêmes choisissent et suivant des règlements qui, à la fin, permettent généralement aux entreprises de poursuivre leurs activités, mais en se donnant des échéanciers, en se donnant des règles, des conditions pour que le règlement soit appliqué, pour que la résolution du litige dont il les a amenés devant ces structures puisse être résolue sans véritablement porter une entrave importante à la continuation de leurs activités. C'est donc au niveau régional, au niveau de l'OADA, que ces dispositions entrent désormais dans le cadre juridique des États et au niveau du Congo, justement, nous avons mis en place des centres de médiation et d'arbitrage à Brazzaville, à Pointe-Noire, qui devraient permettre à tout opérateur économique, à tout acteur du secteur privé engagé dans un différend avec un partenaire, de pouvoir le résoudre en dehors donc du cadre légal de la justice d'État. Au niveau national, dans notre pays, et vous le savez, nous avons engagé plusieurs réformes dans l'intérêt, bien compris, d'assurer la bonne gouvernance. Et la finalité de toutes ces réformes, c'est de permettre à ce que l'environnement des affaires, le climat des affaires, soit assaini et que nous puissions expurger tout ce que le président reproche à la justice, reproche aux fonctionnaires, reproche aux dirigeants sous le vocable d'antivaleur. Et dans ce sens, vous savez bien que à partir de certaines réformes, justement, notre cadre juridique a été davantage amélioré, notamment par la révision de la loi qui porte donc lutte contre la corruption, la concussion, la fraude et bien entendu les autres infractions assimilées. Cette loi aujourd'hui présente l'avantage de cerner des infractions, des fautes que quiconque peut commettre, mais qui auront nécessairement un impact sur le climat des affaires. Et ces infractions qui ont été répertoriées, qui font l'objet de sanctions aujourd'hui, sont portées à la connaissance de toutes pour que, comme on le dit bien souvent, nul ne peut ignorer la loi. Tous, nous savons que les comportements pervers qui peuvent avoir une influence négative sur notre climat des affaires, sur le climat des affaires dans notre pays, ne peuvent plus donner lieu à l'impunité. Ils seront sanctionnés et sur le plan légal, donc, c'est au tour
de la loi portant lutte contre la corruption, la corruption, la fraude et d'autres infractions, que s'est construit un ensemble de mesures, un ensemble de réformes qui aujourd'hui nous permettent véritablement d'espérer un milieu des affaires totalement expurgé des antivaleurs. Ah, en dehors de ce cadre juridique qui annonce donc des dispositions coercitives, il y a bien entendu les instances qui vont avec. Et dans ce cadre, oui, depuis un certain temps, à la faveur de la réforme constitutionnelle de 2015, notre pays a mis en place un certain nombre d'organes comme la Haute Autorité de lutte contre la corruption, comme la Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques, comme le mécanisme de déclaration de patrimoine qui, en visant bien sûr la moralisation de la vie publique, vise nécessairement la participation du fonctionnaire, du compatriote, par un comportement sain à l'amélioration du climat des affaires dans notre pays. Bon, parlons spécifiquement de la justice. Oui, je sais que c'est là que vous m'attendiez sûrement. Mais il faut dire que le secteur de la justice, qui a plusieurs fois été tenu à l'index par nos autorités, qui a plusieurs fois a été appelé à améliorer sa façon de faire par le premier magistrat lui-même, le président de la République, a bénéficié d'un ensemble de réformes, notamment la loi qui organise le Conseil supérieur de la magistrature, qui, entre autres innovations, a introduit le fait que, en dehors des sessions du Conseil supérieur de la magistrature, le magistrat qui commet des fautes peut être sanctionné par les différentes commissions du Conseil supérieur de la magistrature, en dehors, je l'ai dit, donc, des sessions régulières du Conseil supérieur de la magistrature, par consultation à domicile des membres du Conseil supérieur de la magistrature. Et, justement, vous avez suivi que depuis 2018, certaines sanctions disciplinaires, exemplaires, lourdes pour certaines, justement, ont pu être prononcées contre des magistrats qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont eu à commettre des fautes, allant jusqu'à la révocation. Ces sanctions également ont été prononcées contre des auxiliaires de la justice, comme les notaires, les huissiers de justice, les avocats, qui, par leur comportement, dans l'exercice de leurs fonctions, ont donc eu un comportement différent du modèle républicain choisi pour les fonctions, les métiers de la justice. Voilà, donc, Monsieur Gildas Maïla, on va pas dire qu'aujourd'hui tout va bien. On va pas dire qu'on est en train de sortir de cette période de turbulence où le comportement de certains magistrats, de certains auxiliaires de justice a été décrié parce que étant donc perçu comme une façon de remettre en cause les dispositions que le gouvernement, que le président de la République prenait pour que notre climat des affaires soit sain. On n'est pas sorti de cette auberge, mais on peut espérer aujourd'hui avec les dispositions qui sont prises que les choses avancent, les lignes sont en train de bouger et que avec l'ensemble de la pédagogie, des normes qui sont adoptées, des sanctions disciplinaires qui sont prononcées, des rappels à l'ordre qui sont effectués à l'endroit de certains professionnels donc de la justice, on peut espérer que les choses vont s'améliorer davantage et que la justice contribuera vraisemblablement à l'assainissement du climat.